Bonjour à tous et bonjour à vos toutous, je suis Elsa de Sinopolis et aujourd'hui je vous propose une formation sur ma race de cœur, le Border Collie. Alors, pourquoi le Border Collie? Tout simplement parce que c'est l'un des chiens préférés des Français, ce qui malheureusement n'est pas forcément une bonne chose. Et aussi parce que son historique et sa sélection sont très particuliers et en font une race à part qui peut être difficile à gérer au quotidien, contrairement à certaines idées reçues. Notre formation va se découper en 5 grandes parties que je vais vous présenter tout de suite. Pour commencer, nous aborderons l'histoire du Border Collie qui nous permettra de comprendre en quoi le Border est une race à part. Ensuite, nous parlerons du travail au troupeau. Nous verrons comment il fonctionne et en quoi il influence le comportement du border encore aujourd'hui. Ensuite, nous aborderons le fait d'accueillir un border à la maison, ou l'acheter, ou l'adopter, comment bien démarrer avec lui, etc. Nous verrons ensuite comment combler les besoins de son border collie. Et nous aborderons une question cruciale, faut-il faire du troupeau avec lui ? Enfin, nous aborderons sa rééducation, et notamment le travail sur la gestion du mouvement, ainsi que la gestion d'éventuels comportements agressifs. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, je partage ma vie avec deux Border Collies et un American Staff, race à laquelle j'avais déjà consacré une formation il y a quelques temps, puisque c'est aussi une race que j'affectionne particulièrement. Le Border Collie et le Staff, ce sont deux chiens diamétralement opposés, tant sur le plan physique que comportemental, avec des spécificités comportementales qui appartiennent à chaque race et qui en font deux races passionnantes à observer. Nos formations sont toutes disponibles en continu sur notre site web sinopolis.fr. Si vous êtes propriétaire d'un Border Collie, vous pouvez d'ailleurs y retrouver d'autres formations en lien avec la race, comme celle sur l'instinct de poursuite. Ou celle sur la prédation. Qui peuvent concerner pas mal de propriétaires de Border Collie. Sachez que je suis aussi l'auteur du livre Dans la tête du Border Collie. Qui est disponible en ligne sur Amazon ou que vous pouvez commander directement auprès de moi en me contactant par message privé et je vous l'enverrai par voie postale. J'espère que cette petite formation sur le Border Collie vous aura plu, vous aura permis de mieux décoder certains des comportements de votre chien, que le fait de savoir d'où il vient et comment il travaille vous aidera à mieux le comprendre et que vous lui pardonnerez plus facilement tous ses comportements jugés à tort comme indésirables. Le Border est un chien d'exception qui mérite qu'on l'accepte dans son entièreté et qu'on comprenne qu'il n'est pas évident pour lui de s'adapter à une vie de chien de compagnie à laquelle il n'était pas destiné à l'origine. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet.